Bienvenue à la Bonne Auberge, où les plats sont délicieux, les boissons fraîches et les aventures trépidantes. Tu lis autour de la vase, surtout ne pas mettre du il y a sang. Inscrit en abyssal, donc Araouiti a soif de sang. Un peu de sang. Juste le contenu de ta fiole. Juste le contenu de ma fiole. Ça tombe au centre du symbole, ça se répand, le sang est intégralement et immédiatement, instantanément, aspiré par la pierre. Vous entendez le bruit sourd de la pierre qui racle contre de la pierre, et ici s'ouvre un passage secret. Et si on allait à la porte qui vient d'apparaître? Dans le passage secret, pas d'idée, quoi. Ouais, je suis chaud. Pareil. Okay, très bien. On y va? Juste, vous avez pas besoin de vous soigner, là? Bah, tu penses que la façon dont on a besoin de se soigner, on peut pas le faire? T'as fait 19 en arcana tout à l'heure, hein? Ouais. Birzim. Tu sais que le repos, effectivement, le sommeil, permet de guérir des blessures infligées par ces créatures-là. Donc un long rest ou un short rest? Short rest même. Short rest. Bah alors je ferais bien une petite sieste, ouais. Moi j'ai disponible. Et tu disais que nos points de carac... Ils reviennent. Ah ouais? Ouais. À bloc? Ils reviennent au maximum de ce qu'ils étaient. Très bien. Génial. Bah moi je suis repassée quasi... tout va bien. Ça va mieux? Ouais, ça va carrément. Ouais, elles ont repris des couleurs toutes les deux et elles ont l'air un petit peu plus d'avoir le sang qui reparcourt leurs veines un petit peu plus naturellement. C'était... Mais effectivement, c'était assez éprouvant comme sensation. Merci. Hein, on a quand même tué pas mal. Hein. C'est avec une facilité. Ouais, mais je suis en jambes aujourd'hui, je crois. Ouais, très bien. T'es fort en bagarre. Ok. C'est bien résumé. J'ai vraiment envie de... qu'on purge ce donjon de tout ce mal. Ah ouais, purger. Ouais. Bah, enfin... Oui, bien sûr. C'est un terme comme un autre. Que souhaitez-vous faire maintenant? On va à la porte secrète. Oui. Vous allez à la porte secrète. Toujours le même ordre de marche? Ouais. Oui. La musique. Continuez à avancer. Ouais. On n'entend aucun bruit tout au bout, là? Pas spécialement. Vous avez entendu une détonation avant votre short rest. Et ensuite, rien. Il y a toujours des petits craquements, des crissements dans les couloirs du donjon, mais pas de bruit particulier, si j'ose dire. Mais ça nous amène à la porte pas secrète, hein? Non. C'est pas encore. Là, ça va vers le nord. Ouais. Mm-hmm. Elle est ça va vers le nord et là on va aller à l'est. Ouais. Bah, et là en plus on tourne encore à... Ah, là, on tourne encore. Ça nous a... oui, après peut-être qu'il y a une autre porte secrète. Super, la porte secrète elle amène au même chemin que la porte pas secrète. Peut-être qu'il y a... Je sais pas. Alors, j'ai l'impression sur le plan là... avancer encore un peu. Que la porte pouvait peut-être nous amener à... Peut-être que la porte ne s'ouvrait pas l'autre, on sait pas, on n'a pas essayé. Ouais, c'est vrai. Ah non, on repart direct, j'ai rien dit. On repart vers le nord? Il y a des murs là, et vous repartez vers le nord, oui. Ouais, bien. Okay. Ouais, ça a pas l'air d'être le même chemin. C'était comme ça. C'est un chemin parallèle en fait. Ouais. Il y a un embranchement. Il y a encore un. Ouais, ok, il y a un embranchement. Nord ou est? Moi j'ai plus d'opinion. J'ai l'impression que l'est ça nous ramène dans le sens plutôt de la porte. La porte? Mais attends, la porte elle est. On l'a... Ouais, mais elle serait allée vers là, genre, non? Je sais pas. Mina? Est-ce que tu peux me lancer un dé de 10 s'il te plaît? 4. Très bien. C'est noté. Tu m'as chippé là? Que souhaitez-vous faire? Moi j'irai au nord, mais je m'en rends pas compte et j'ai pas le plan. J'irai au nord aussi. Ok. L'est, ça peut retomber sur le. Birzim, t'as une préférence ou... Quoi que je vous suis, moi. Hervé et moi, on vous fait confiance. Dis donc. Dis donc. Donc bah, c'est quand même toujours vers le nord, hein, encore, ok. Ça fait nord-ouest, ça fait des. Ok, on fait un petit tac-tac. D'accord. Ouais, je pense que c'est un. Il y a un peu plus de nord que ça, quand même. Vous arrivez là. Donc, encore un embranchement vers l'est? L'ouest. Non, l'ouest. À l'ouest. Excusez-moi. Nord ou ouest? Il n'y a aucun problème.
Merci. C'est bien bon. Bah, je sais pas, on va au nord, non? Ah ouais, on va pas vers l'ouest. Moi, j'irai à l'ouest. Ok, allons à l'ouest. Pas difficile à convaincre. Allez. Ouais, qu'est-ce que c'est que ce... Vous vous déplacez là. C'est Micmac. Oui, c'est le mot que j'avais. Et attention, regardez bien. Là, il y a des murs. Hein. Ouais. Et là, il y a une porte. Ok. On va voir la porte. Donc bon, on va dans la pièce, de toute façon. Vous descendez dans la pièce? Ouais. Tu veux voir la... Tu l'ouvres à distance ou pas? Je peux demander à Hervé de l'ouvrir, si tu veux. Ah mais non, moi, je vais l'ouvrir à distance, c'est mon moment. Ok, vas-y. Ouais. C'est ton grand truc. On la laisse le faire, mais genre, ouais. Enfin, je m'avance pas jusqu'à la porte tant qu'elle l'a pas ouvert. Hein. Ouais. C'est parti. Elle s'ouvre d'une manière grandiloquente. Swing open. Encore une pièce... Et vous voyez une pièce. Un peu comme à l'extérieur, là, c'est ça? Exactement, c'est comme à l'extérieur. Mais à l'intérieur. Mais à l'intérieur. Voilà, il y a pas de... Il y a un plafond. Il y a un plafond. Cela dit, les murs sont de nouveau en roche naturelle. Et le plafond également. Et le plafond, il est assez haut. Hein. Il est bien à 5-6 mètres. J'ai une question. Tout à l'heure, on avait entendu un genre d'explosion. On a vu à aucun moment des éboulements, des trucs comme ça. Rien du tout. Ok. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Et l'odeur, quand Corbe a fait ouvrir la porte magiquement, dans un éclat, il y a eu comme une fumée, comme un retour de fumée, de soufre ultra fort, une odeur vraiment qui prend à la gorge et qui vous fait quasiment suffoquer. Tu rentres? C'est pas dans ce genre de pièce que ça pourrait exploser? Tu veux te mettre où indique-moi avec ton, petit pointeur laser. Là, c'est très bien. Okay. L'odeur est un peu plus forte et effectivement, tu vois que des stalagmites, il y a des petites volutes de fumée sulfureuse. Juste une question, là, tout ça, il y a des murs? Oui. C'est pas des murs, c'est de la grotte. C'est de nouveau de la roche naturelle. Donc il y avait une porte qui donnait sur une grotte, quoi. Le tour de la porte est maçonné, mais sinon, le reste, c'est de la roche brute. Je rentre et j'inspecte. J'aimerais inspecter... cette stalagmite. Peut-être celle-ci, si j'ai le temps, selon ce que font. Non, dis-moi où tu te trouves. Là. Là. Très bien. Et j'aimerais inspecter, si inspecter, rien ne me tombe dessus. Sur quels critères? C'est-à-dire, tu fouilles, tu essayes de gratter la roche? Ouais, tu... l'aspect, voir si quelque chose se cache, parce que bon, c'est quand même un cul-de-sac grotte, ça me semble... D'accord. Tu peux me faire un test de perception? Bien sûr. 8. Rien du tout. Moi, ça ne m'inspire pas beaucoup, cette pièce. Je reste à l'extérieur. C'est grand. Que tu vois. Chaque case fait 1,5 mètre. Si, moi, je vais rentrer quand même juste là. Je ne vais pas y arriver. Et juste pour inspecter le plafond. D'accord, fais-moi un test de perception. Enfin, tu cherches quoi en particulier? En fait, je veux juste essayer de comprendre est-ce qu'il y a un... Est-ce que c'est de la grotte aussi, le plafond? Oui, c'est de la grotte. Oui, je vous ai dit, c'est de la roche naturelle. Tu remarques que dans le plafond, il y a des endroits où il y a des petits trous, des petits orifices. Et tu te dis que c'est probablement des endroits où ça continue vers la surface et que ça s'évacue probablement comme ça. Sinon, je vais au fond de la pièce pour essayer de fouiller un peu, racler les murs. Fouiller, hein. 3. Quand tu marches là, vous entendez la terre gronder un petit peu. Puis trembler à tes pieds, tu prends un ou deux pas de recul. Oh, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Je vous avais dit que je la sentais pas. Je sors de la pièce. Alors, je me mets. Ouais. Voilà. Je cours. Et ailleurs. Le sol vrombit et soudainement, une énorme créature. Putain. La carapace chitineuse. Oh sublime. Oh waouh. Ça s'appelle un tchoul. Qui sort toute pince dehors. C'est beau. Avec des mouvements légèrement saccadés qui mettent mal à l'aise. Initiative, s'il vous plaît. Eh ben oui, ça va puisque ça va partir en bagarre, chers amis. J'adore la bagarre. Pas mal. Dites-moi. 13. 13, ah bah alors. Corbe. 23. 23. Birzim. 4. 4. Emina. 17. Du shot. Le tchoul a fait preuve d'initiative. C'est à toi de jouer, Corbe. Bon, ça coûte pas plus cher, je vais faire un nuage de dague. Hein. Donc tu incantes. Ouais. Save de dex. Difficulté 14. C'est échoué. Donc il va prendre l'intégralité des dommages. Je te laisse tirer les 4 des 4.
combien en hauteur, à peu près dire... Cette créature? Ouais, par rapport à la chimère, en tout cas, À peu près la même taille. Hein, enfin, s'il si s'étendait de tout son long, c'est peut-être un peu plus grand même. Et il sort du sol, tout ouais. Certaines créatures qui ont... Combien? 7. 7. Et très bien. Lu ça. C'est un truc aussi énorme, ça a 7 Julien points a mis 17 heures à la fin. Non il n'a que 3 points de vie, hélas. Et c'est quel type de dommage? C'est perçant, hein? Slashing, oui. Slashing. Il y a de la tranchant. Fumée. Très bien. Effectivement, autour de la créature se matérialise ton nuage de dagues. C'est un beau spectacle, hein, la tête là. Elle n'a pas l'air d'apprécier ce qui est en train de se passer. Est-ce que tu souhaites faire quelque chose, une action bonus, un mouvement? Est-ce que quelqu'un veut une inspiration bardique? C'est le moment. Bah, mais ça sur. Ouais, dites-moi. Viens de nous, hein. Ouais, bon, bah. Elle fait plus de dégâts que moi, habituellement. C'est vrai que ça fait pas mal, toi, hein. Démerde. Ouais, pour une vrai. Fois, je vais essayer d'inspirer Mina. La sororité, ça dit quelque chose ou... C'est un petit flutio rapidos après avoir fait mon nuage de dague. Et je te joue très rapidement un petit truc à la flûte. Très, très vite. À la flûte? Juste pour j'adore toi. J'adore aussi ouais. la flûte. C'est super. C'est le thème de Titanic. très bien. À la suite de ça, c'est à la créature de jouer. Elle va se déplacer immédiatement au contact de Dithmir. Bah tiens. Oui, bah, tu oh, tiens. Il va tenter de faire deux attaques de pince. Ah là là. Ah là là. La première, c'est un 18. Bah, j'ai 18. Donc ça touche. Et la deuxième, c'est un 20 naturel. D'accord. Donc ça touche. Abîme de ses pinces, sur la les dégâts pour la première sont de 13. 13 dégâts bludgeoning. Tu prends un grand coup de pince. Ça te fait très mal. Et la deuxième, c'est malheureusement encore plus, puisque c'est un critique. Aïe, 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 aïe. Waouh, waouh, waouh. 19 de dommages de bludgeoning damage. Et tu es, à partir de maintenant, grappled, elle t'attrape dans une de ses pinces et tu peux continuer à l'attaquer. D'accord. Mais tu ne peux plus te déplacer. D'accord. Voilà. Si tu veux te déplacer, il faut que tu fasses une action spéciale pour te libérer de son étreinte. Ok. Et voilà. Wow. Il a l'air mal en point là. Enfin, genre, il a. Qui ça? Dithmir? Dithmir, il a pas ouais. Ou... ouais. Ouais. Vraiment, vraiment, elle a fait genre. Est-ce que là, je peux. Demander un truc, dire un truc à Mina ou je dois attendre mon tour? C'est une action? Non, tu peux dire un truc à Mina, pas de problème. Okay. Non, genre recule. Attends, toi, tu joues après? Ouais. Et je après, lui dis de sortir de la pièce. Une fois qu'elle t'a chopé dans ses pinces, et comme tu es maintenant grappled, elle t'amène à sa bouche ignoble avec ses tentacules et elle te fait une attaque de tentacules. Mais t'es à combien? Oui, c'est vrai. Là, l'attaque. Bah, tu peux. Il me reste 19. Et genre ressort. Je fais deux attaques et ma troisième, je sors. Non. C'est pas une attaque, mais elle t'amène à ses tentacules qui s'enroulent autour de ton visage. Il faut que tu me fasses un save de constitution. DC 13. Tu vas sacrifier Dithmir? J'ai fait 12. 12. Tu es paralysé. D'accord. Du poison rentre dans tes veines. Tu sens que ça brûle de l'intérieur, ça te fait pas vraiment de dégâts, mais tu sens que ça a un effet sur tout ton corps, ça te parcourt une chaleur extrêmement désagréable et tu es paralysé. C'est la fin de son tour. Non, c'est ensuite. Bah, c'était un bon tour. Hein. C'était un tour pas mal. C'est merde. C'est ensuite à Mina d'agir. Pas mal. Je vais lui mettre ma marque du chasseur. Tu lui mets la marque du chasseur, oui, tu as bien raison. Et j'avance avec mes faucilles. Ouais. Dis-moi où. Alors, au final, j'aurais bien pris l'inspiration bardique. En face, parce qu'après, je compte sortir de la salle. Ouais. Ah non, là? Ouais. D'accord. Vu qu'après, je compte sortir de la salle, je pourrais toujours, oui, en termes de déplacement. Oui. Très bien. Tu vas m'abandonner. Je vais retirer du coup avec l'inspiration bardique car j'ai fait un 1. Donc, non. Non, t'as fait un jet d'attaque, c'est forcément un échec. Donc, je te conseille de tant pis, t'as raté. Autre, voilà. Et voilà, continue tes attaques. 16, est-ce que ça touche? Ça touche. 16, ça touche. Très bien. 16, ça touche. Et je lui mets en dégâts. 4, 5, 9.
9. Je lui mets 14 de dégâts. Allez. Quel c'est type de dégâts ? Faucille. Ouais. C'est donc. Je vise chine. Les chevilles car je suis. Au niveau des chevilles, il a des chevilles. Je suis. Oui. Regarde, d'avoir des petites pattes. Très derrière. Bien, c'est noté. Ça fait son. une de ses pattes pointues. Avec ta faucille, elle a l'air de. Il y a un sang. Entre le jaune et le vert, donc un peu vert cacadois, ouais. qui jaillit de son membre. Voilà. Il te reste une attaque normalement. Est-ce que je peux utiliser ça juste pour me déplacer, pour partir ? Tu pourras te déplacer ensuite. Après ma troisième attaque, quand même. Ouais, très bien. Là, tu as fait une case de déplacement, il t'en reste 5. Bon, très bien. Alors, je vais refaire une attaque de faucille. Très bien. 4 plus 8, 12. Et je vais prendre l'inspiration bardique. Bonne idée. 12, 16. Ça fait un 16, ça touche. Donc. Et 2 plus 5, 7, 8 de dégâts. Très bien. Pour la faucille. Pareil, ça se met dans son flanc et encore un peu de sang, de cette couleur verdâtre qui jaillit. Ensuite, que souhaites-tu faire ? Je me barre en courant vers Birzim. D'accord, elle va avoir une attaque d'opportunité. Ouais, je sais. Ah putain, mais oui. Tu vas juste à côté de Birzim ou plus loin ? Je vais derrière Birzim. Tu vas derrière Birzim. Qui m'a dit de venir. Et j'ai un peu peur de la créature qui a quand même paralysé de tenir. Elle fait... Non. Elle fait 8 pour toucher. Ça ne me touche pas, je suis trop petite, trop rapide. Donc, t'as entendu un coup de grande pince claquer dans l'air derrière toi et tu as pu t'évader. Je fonce avec mes petites jambes derrière Birzim. Dithmir, qui ne peut... Non, Birzim, non. Non, moi j'ai 13 en initiative. Dans le tour, c'est à Dithmir qui ne peut rien faire. Un saving throw de constitution. Je peux pas utiliser Second Wind ? Tu peux absolument, tu es paralysé. D'accord. Donc tu ne peux rien faire. Comme c'est pas vraiment une action, c'est dans la tête. Ouais, non. Ok, bah allez, hein. Yes. 21. 21, tu retrouves tes esprits, tu pourras agir au prochain tour. Ensuite, c'est à Birzim d'agir. Ok, donc. Je vais ici. Là où était Mina, en fait. Voilà. Très bien. Oh, Birzim. Je chope Dithmir. Ouais. Et je fais mon Thunder Step. C'est quoi ? Très bien. Donc, tu incantes. Vous allez voir. Ah. Il pose les mains sur les épaules de Dithmir et je te laisse décrire. Je chope Dithmir. Il y a une déflagration, mais genre vraiment forte qui se, une explosion, mais une déflagration de type éclair qui retentit dans toute la pièce. Donc qui affecte la créature et on disparaît et on réapparaît là. Un éclair retentit face à la créature, elle prend 3 dés de 10. Alors, elle peut faire un save, je crois. Oui, un save de pas de... Constitution. Ouais, il y a marqué Constitution 15. Ouais. Elle réussit. Ah, et 17. Donc elle prend la moitié des dégâts quand même. Ouais, mais tu fais 3 dés de 10. Ouais. Oh la vache. Ouais, c'est pas mal. C'est classe. Ah bah ouais. C'est 8. Thunderstep, le sort. Très cool. 8 et 5, 13. 17. Oui. 17 divisé par 2, ça fait 8. Et c'est un truc de zone, c'est ça ? Non, non. C'est des dégâts de zone ? Oui, c'est les 20 feet autour de l'endroit où il se... C'est pour ça que je demandais de sortir, parce qu'en fait, c'est... Génial. Enfin, une case autour de moi, en gros. Non, deux cases. Ouais. Moi, je suis bouche bée, je sais pas où vous êtes allé. Il te reste 5 cases de mouvement, si tu le souhaites. Je ne sais pas où vous êtes allé. Je suis bien, là. Très bien. T'as envie qu'on se barre. C'est bon ? Ouais, je suis bien. C'était pas très mal bien. Déjà, hein. Extrêmement stylé. Ouais. Comment ça s'appelle ? Thunderstep. Et donc, il y a une téléportation avec, en plus. Ouais. Wow. Ouais, c'est extrêmement classe. C'est à toi, Corb, d'agir. Tu lui tirer un petit carreau d'arbalète. Merci. Lui tire à l'arbalète. Très bien. Alors, 16. Passe pas la porte. 16, ça touche. Inch'Allah. Ça se plante dans J'attendais qu'il y ait le bruit pour faire mes dégâts. À la jointure de... 6. Et 6 de dégâts. C'est très peu. Au total ? Oui. D'accord. Pardon d'avoir demandé la confirmation. 6 au total. Total, c'est ouais. Nul. Non, non, mais c'est mine de rien. Ça ah ben, bah, un petit pas par petit pas. Très bien, se planter dans sa carapace. Ah, elle accuse le coup.
avec ses mouvements saccadés d'insectoïdes géants. Est-ce que tu souhaites faire un déplacement ou une action bonus? Ah bah alors je vais bouger mon nuage déjà. Tu vas bouger ton nuage sur elle. Et sur la gueule. Très bien. Oui, bon, il est sur il elle. Il est là. Save de dextérité, si je me souviens bien. Oui, elle réussit. Je relance moi, mon nuage. Ouais. 4d4 et je diviserai par 2 le résultat. Ensuite, ce sera elle d'agir et ensuite, ce sera Amina. C'est bien ça. Ah, elle, la créature. On peut pas faire du corps à corps si elle a le nuage de dague. Hmm, si, si. Si, tu peux faire du... Ouais. Il est sélectif, hein. C'est sur sa case à elle. D'accord. Donc, 10, donc 5. 5. En comptant la réduction. C'était 10, et donc c'est 5. Ouais. Très bien. Parfait, donc ton nuage s'approche d'elle. Et... Pareil, la harcèle de petits coups de dague. C'est efficace. Et, elle a l'air d'être très gênée. Très agacée. Fait des mouvements erratiques. Et donc, c'est à la créature de jouer maintenant. Oups. Un mouvement, peut-être? Non, je suis bien. D'accord. C'est à la créature qui va foncer sur Mina. En poussant un cri. Et se déplace de ses... Elle passe la porte. Elle passe la porte, tout à fait. Mais si on se barre dans le dédale, elle ne nous retrouvera pas. Ouais. Au pire, il y aura une chèvre, elle s'arrêtera. Ah, tu vois, si on a moi, je suis parti pour la tuer, là. Et elle te fait deux attaques de pinces. La première, c'est un 17 pour toucher. Oui, ça touche. Ça touche. Et la deuxième, c'est un 22, donc ça touche aussi. Oh là là, mais les... Oui, les dégâts de la première... Et de la deuxième, d'ailleurs. Allez, allez, courage. Moi, je pense qu'on a fait pire. La chimère? Ouais, même par si exemple. Elle paralyse, on se relève. La guenaude. Au total, 28 points de dégâts bludgeoning. C'est de grands coups de pince. Et à nouveau, elle amène ton petit corps mal en point vers ses tentacules qui t'enveloppent le bras. Dans cette sensation dégueulasse et visqueuse, et tu sens qu'il y a cette chaleur, ce poison qui parcourt ton avant-bras et qui se diffuse dans tout ton corps. Fais-moi un save de constitution, s'il te plaît. Plus 3, 21. Allez. 21. Ah, tu arrives à repousser la sensation et tu n'es pas affecté ouais, par son poison. Ça me connaît. Yes. Tu es habitué ah, aux ouais, petits serpents et à tout un tas de choses qu'on a vu dans ta j'ai jeunesse. J'ai peur des insectes, les ombres, oui, pas les insectes. Son tour est terminé, c'est à toi, Mina, de jouer. Alors maintenant, tu es grappled, donc soit tu l'attaques... J'ai mes faucilles. Tu as tes faucilles, tu... voilà. Mais si tu veux faire un mouvement, il faut que tu fasses un test d'évasion. Et ça devient ton action, donc tu ne pourras plus attaquer. Je m'en fous, je me sacrifie, je me fais trois faucilles. Allez, ça part en trois faucilles. Ça part en trois faucilles. Ok. Sauvez-moi si jamais. Mais oui, t'as pris combien de dégâts? Ouais. J'ai... Il me reste 22 points de vie. Ah oui, ça va. Ça coûte level 2. Hein. Enfin, il m'en restait un. 25 tas si tu m'entends. Alors, je fais un 19 pour toucher. Touche. En même temps, elle est proche. Et en dégâts, je fais 12 points de dégâts avec la première faucille. Très bien. Je dis, tu n'oublies pas d'ajouter ta marque du chasseur. Hein. J'y pense. Un grand coup de faucille sur ses tendons. Il y en a un qui gicle du sang verdâtre aussi, gicle de ses pores, enfin de ses plaies plutôt. Oh, vin naturel, donc plus vin naturel. Alors le vin naturel, ouais, tu vas prendre tes dégâts normaux. C'est quoi? C'est 1d8, 1d combien la faucille? 1d6 plus 5. D'accord, donc tu lances 2d de 6 plus 5. 1. Waouh! C'est que des 1? 3, ouais, 1, un 2. Ouais. Et un 2, waouh! Waouh, donc ça fait 5. Ça fait 5, plus 5, mon. 5 et 5. 10 en tout. Non, tu l'as fait, la map du chasseur. Eh oui. Donc, bon, bah, pas de chance sur les jets de dés, mais quand même un critique, ce n'est pas fatal. Donc, en fait, tu le plombes dans son crâne. Et tu pensais réussir à sortir sa cervelle, mais en fait, ça fait juste une entaille sur sa carapace. Finirait. Elle pousse un cri. Mais c'est pas suffisant, il te reste une troisième attaque. Très belle raie toute droite. Une petite raie au milieu. Et un vin naturel encore. Mais c'est magnifique. Fou, incroyable. Deux d'affilée. Allez, je allez suis très toi. Proche d'elle en même temps, c'est toi. Dur de la louper. 3 okay. D6 plus 5, peut-être que. 25 tas. Alors, 1, allez, putain. 1-1 encore. Non, merde. Ah ouais, vraiment pas de chance. Et un 3, donc 4 points de dégâts.
plus 5. Enfin, t'as fait 1, 1, 3. Ouais. Donc ça fait 5, plus 5. Plus 5, 10, ouais, exactement la même chose. Ah oui, j'avais fait pas pareil, vraiment, tu t'es dit, bon, là, ça va passer. Dans le crâne. Et tu ouvres un petit peu plus la carapace, mais ce n'est pas encore Il y a un suffisant. Peu de lymphe qui sort, mais rien de... Il y a toujours un peu de sang, de visqueux qui sort verdâtre. Mais de ses mouvements saccadés et erratiques, elle continue à agir. Et la personne suivante... Pas de soucis. T'as une action bonus, si tu le souhaites. Moi ? Ouais. Je peux me faire un Cure Wounds ? Non, ça pas c'est un tout, sort, ça, c'est, une action. C'est pas une action bonus. En revanche, tu peux boire une potion si t'en as une sur toi. Je crois que je n'ai pas de potion, j'ai des berries. J'ai une berry. Ouais, tu peux prendre une baie. Ça me fait récupérer un point de vie. Effectivement. Un point de vie. Ouais. Ça guérit pas le poison, par hasard ? Non. Hop. Mais c'est à toi de jouer. Oui, tu viens de jouer, excuse-moi. Oui. Dithmir. Attends, pas mal. Ouais, c'est le sacré Dithmir qui joue maintenant. C'est à moi, alors. Alors, vous observez que quand même, il y a beaucoup d'entailles et beaucoup de sang qui coule visqueusement le long de sa carapace. Est-ce que je peux faire ma bonus action au début ou pas ? Oui, tout à fait. Pour me soigner déjà ? Bon, enfin, en fait, on s'en win. Fout, je le ferai après, on s'en fout. Je vais la charger. Est-ce que je peux ranger mon bouclier pour prendre mon épée à deux mains ? Oui, tout à fait. C'est pas une action ou quoi non, que non. ce soit ? Ça fait partie de ton action de combat. Bah, je mets mon bouclier de côté quand je dis merci et je la charge avec l'épée à deux mains. Ouais. Tu cries et tu y vas. Donc je perds deux en classe d'armure et je vais aller... De toute façon, je pense qu'elle compte pas comme un... Non, c'est pas en tenaille, là. Donc j'attaque. Vas-y. Mais bon, quelle histoire. Quelle bravoure. C'est un 20, ça, non ? Non, c'est un 12 plus 9, 21. 21, tu touches ? Je touche, je vais utiliser une manœuvre pour avoir des dégâts en plus. Vas-y. Et du coup, je fais un des 10 des dégâts puisque je tape à l'arme à deux mains. Tu as saisi ton épée radiante à deux mains, donc ça fait un des 10 au lieu d'un des 8 de dégâts. Je vais utiliser mon don parce que j'ai fait 1, c'est de la merde. Voilà, 6 et 5, 11 et 6, 17. 17 de deux mains radiants. Et ça lui sera fatal. Je pensais qu'il y avait besoin de beaucoup plus. Je te laisse décrire. Bah, du coup, je range mon bouclier et je prends l'épée à deux mains. Je sautille un peu, genre, allez, vas-y, je vais tout donner. Et je cours et je saute pour libérer Mina. Et en fait, je lui tranche la pince avec laquelle elle la tenait. Ouais. Créant une hémorragie, il y a du sang partout sur le mur. Et je tombe. Mina tombe, mais arrive à se rattraper sur ses deux pieds. La créature fait... pousse un énorme cri ignoble. Effectivement, sa pince tombe au sol et s'éclate dans un jet de son sang visqueux, ignoble, verdâtre. Et elle se désarticule complètement et tombe au sol. Est-ce qu'on peut en prélever un trophée ? Si tu veux. Oui, bien sûr. Moi, je note tous les monstres maintenant. Vous respirez tous. Et du coup, on ouvre la pince. Vous avez eu, un peu chaud. Est-ce qu'on la bouffe ? Ça va, je suis encore ouf. Mais heureusement que tu l'as terminé. Je suis pas sûr. Bah, je crois que c'est toi qui as fait le plus gros du travail. Hein. Ouais, mais j'aurais peut-être pas survécu à une autre attaque, je ne sais pas. Et Birzim. Birzim, qu'est-ce que c'est ? Incroyable. Incroyable. Ouais. Là, je t'en dois une. Non, bah. Ça permet de faire des dégâts au passage, quoi. C'est pas mal. Bah, oui, pas qu'un peu. Ouais. Pas mal. Ce passage secret était plus ou moins un piège, non, quand même. On a été. Un test. Ça dépend ce qu'on. Bon, on va quand même retourner fouiller la pièce, non ? Je sais pas. Mm-hmm. Bon, moi, j'y vais. Je fouille le cadavre. Alors, pendant qu'ils me font des félicitations, je fais ouais, ouais, ouais. Très bien, fais-moi un test d'investigation, s'il te plaît. Ou de perception, comme tu le souhaites. Ah. Alors, investigation bah, ou perception ? Je peux l'aider, je l'accompagne pour... Tu l'accompagnes ? Très bien, tu peux le faire avec avantage grâce à Dithmir qui te dit « Attends, t'as regardé sous cette pierre, hein ?» Genre perception, du coup. D'accord. Je préfère mieux. Alors, je fais un 19. Et tu peux te auto-guider, hein. Ah ouais ? Ouais. Wow. Sérieux ? Ouais, faut juste le dire avant de faire le jet, mais bon, bah, on considère t'as fait 19, c'est ça ? Bon, j'ai fait 19, là, je jette une deuxième fois que je fais un... Si tu veux, mais ce sera suffisant. C'est 16. Donc 19 plus 3, 22. 19, 22. Très bien. Alors tu cherches dans les recoins de cette pièce et au bout d'un moment,
dans un coin là, sous un petit caillou jaune avec des stries blanchâtres. Tu vois qu'il y a une petite cuve derrière, avec de la boue, et tu vois quelque chose dans cette petite cuve. Et c'est un anneau. Ça dépend. Hervé. Ouais. Attrape l'anneau. Ouais, dans ma contrée, les anneaux, ouais, c'est pas... Il vole avec ses petites ailes. Des mauvaises. Il attrape l'anneau. Tu nous raconteras ça autour d'un feu. Comment tu sens, Hervé? Ça va. Donne. Vas-y. Il dépose l'anneau. Tu vois que c'est un anneau doré. Rond, c'est-à-dire que sa surface est ronde aussi, c'est comme un cylindre qui revient sur lui-même. D'accord. Il est bombé. Et il y a un tout petit oiseau comme un colibri qui est ciselé. L'armature est faite d'or. Et il est serti de petites pierres précieuses, de petites gemmes de couleur verte et bleue. Et il est comme posé sur le sommet de l'anneau. Ça peut pas être maudit, c'est trop mignon. Ouais, mais c'est peut-être un piège. On pensait que c'était à Tchoul. Toi, tu veux pas, toi. C'est un colibri, Tchoul. Hein. Non. Ouais, mais les anneaux dans ma contrée, c'est pas bon signe. Mais il est joli, est-ce que t'es parieur? Ça se dit, il est joli. Hein, est-ce que t'es parieur? Je le mets au doigt de d'Hervé. Ça fait rien? Non. Enfin, il a pas... Bah, si personne ne le veut, moi, je... Il volette. Je fais, bon, je le mets dans ma poche, juste, pour l'instant. Mais tu le reprends. Prudent. Eh, je lui mets une petite... Tu te calmes, Hervé. Je le garde dans ma poche, pour l'instant. Très bien. Moi, je voulais fouiller le cadavre. Pardon. Aïe. Je sais pas comment le noter. Tu peux mettre dans ton équipement, dans tes notes, tu mets anneau, salle 4. Anneau. Comme ça, je saurais. Je voulais fouiller le corps, moi. Tu voulais fouiller le corps? Ouais, le cadavre. Tu es à la recherche de quelque chose en particulier? Tu peux récolter du poison, potentiellement, si tu sais faire. Oui, c'est ça, pour du poison, en fait. Si, pour mettre dans une petite fiole, j'adore les petites fioles. Sur les flèches, non? Potentiellement. Fais-moi un test de dextérité. Dextérité. Est-ce que tu es... non, je pense pas. Mais si tu es dans tes outils, est-ce que tu as Poisoner's Kit? Non. Non. J'ai donc Cook's ustensile. Ouais, non. Donc tu vas me faire un test de dextérité. 12. Tu arrives à recueillir un petit peu de poison, oui. Tu te dis que c'est le sang, tout simplement. Vert, cacao. Voilà, cette substance vert dégoulinante. Très bien. Histoire de rendre quelqu'un malade. Et tu arrives à ne pas... Enfin, tu sens, par moment, tu touches un petit peu la substance et ça t'engourdit un petit peu le doigt. Et tu t'essuies et tu agites et ça passe. Donc tu récoltes une petite fiole, tu pourras te noter une super fiole de... Oui, je poison note. Et alors que vous retrouvez vos esprits et que vous êtes toutes et tous satisfaits d'avoir vaincu cette grosse créature et d'avoir trouvé visiblement un anneau magique. Sa mère apparaît. Quoi? Je disais sa mère. La arrive. Mère de Chou. Non, il n'y a pas de. Non, il n'y a pas d'autres créatures qui arrivent. Vous dites que ça pourrait être sympathique de sortir de cette ambiance de paix ignoble et cette odeur de soufre qui vous prend littéralement à la gorge. Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour ce soir et on continuera à la prochaine session.